C'est une pièce entière qu'Olivier Rousselière a consacrée à sa collection sur Louis de Funès. Autographes signés de la main de l'acteur, statuettes, affiches, films, photos. Au total, ce sont plus de 2000 objets qu'il a dénichés un à un. Je vais vous faire voir donc, la dédicace qui a été signée par De Funès et puis Annie Girardot. Depuis tout petit, il est le plus grand fan des films de Louis de Funès, avec une préférence quand même. Le mieux de tout, c'est Jean de Saint-Tropez, ouais. Alors s'il y a des pièces qu'il affectionne tout particulièrement dans sa collection, ce sont ses costumes, véritables uniformes, qui viennent tout droit de la gendarmerie de Saint-Tropez. Donc là, c'est l'uniforme justement de le premier film de Saint-Tropez, donc du gendarme. Parce qu'il y avait le premier uniforme, il était en noir et blanc, le film de Saint-Tropez. Après, ils l'ont mis en couleur. Il s'est retrouvé un galon de plus, donc logis-chef Cruchon, donc... qui voilà, donc avec un grand de plus. Et si les costumes n'ont pas été portés par Louis de Funès en personne, le képi, lui, a bel et bien participé au tournage. Bon, lui, c'est le képi officiel, le vrai képi du genre de Saint-Tropez. Donc. Il y a encore l'étiquette, justement, du garage du Cellier. En permanence, il est à la recherche de la perle rare, ainsi il épluche quotidiennement les sites de vente aux enchères sur Internet. Comme lui, ils sont une poignée en France à collectionner ce type d'objet, et parfois, à force de patience, il met la main sur de véritables petits trésors. Alors celui-là, c'est le tatoué. Parmi ces trouvailles, les films Super 8 tiennent une bonne place, en version étrangère, française, bande-annonce publicitaire ou bobine amateur. Olivier Rousselière accumule les kilomètres de pellicules et régulièrement s'offre une projection privée en tête-à-tête avec Louis de Funès.